Mbote mbote bandeko ya sobongo tuye lisusu lelo tuye kutani la bino tango nyonso bo mesano la renaissance africaine ya solo bongo mbaleleki to sukaki wapi na kapu na biso ya mibale donc deuxième chapitre le génie superviseur lelo tokota na kapu na biso misato le Grégoire national. Et si quoi puis tout ce qui na oyami balé tout ce qui et si quoi babi na biso les initiés doivent amener le peuple à se repentir et à revenir à leur Dieu national qui est leur ange superviseur. Kasi lelo ya solo bongo to kotata mana kotanga et si quoi puis babi na so le Grégoire national. Donc, dans le chapitre 97, Gudiame vuilu mvula la bwende, sediame vuilu mvula la kindamba, idina mono imwe, bwende kindamba. Unu tunatanga la renaissance africaine. Semu dodo teke la, tatata manatanga, tatula tete mkunga weto wa Babena Zulu. Taïka qui n'a tout qu'à foutre qu'un dingue. Matondo bandeko ya solo moto kumela te poto kota na mandanda na biso ya lilo loyembo toko tata mana yango sima ya solo bongo penda toko tata mana moyembo na biso sima na yango wana esengeli na biso tokota mbangu mbangu na kotanga mokanda na biso kasi lelo soki tosilisi kotanga renaissance africaine tokotangela bino bakongolais tomibale tokotanga bakongolais tomibale 1493 na 853. Donc, 1493, na 853. Et si vous avez un monde en semi, à combien de vies,
poso na tala manaka etikali poso moko na ndambu poete to kota penza na mukolo oyo bena fumugi mbangu mpeve kitela kie tanga bande musanae pa tanga saliki bandaki oyo bandusu bachaka le 6 avril non tozolo batango mpeve kitela kie poya bande musanae ezalaki somo bena le 18 mars yango wana toko tanga yango lelo bakongole tomi bale ekomama kala toko tanga yango poteyeba mai nini longe akongone monda nsemi atiela biso kuna na kati na maimatali fumu kimbangu ya solo bandeko tokoti yango wana esengi na alakima neti mpamba te nyonso nkokoso te na maye nazali kotangela bino matondo le Grégoire national cap kentatu. Chaque nationalité a un Grégoire national qui est le gouvernement invisible de cette nation naturelle. Au centre de ce grand conclave invisible se trouvent les génies superviseurs de la nationalité entourés des grands ancêtres divinisés de sa nation. Ils sont les ministres de Dieu chargés de guider cette nationalité. Le gouvernement national sur le plan physique doit être le reflet et l'instrument du gouvernement invisible de la nation. Ah, vous avez vu ça? Il y a un moment où vous avez dit que Moussala, il y a Mayala, donc Moussala, il y a politique et signalité que Sangana, na Moussala, il y a Bonzambé, et vous allez le couter mon nez, pour me couter le couter mon nez, vous voyez, mais là, vous me couter. Pour me battre, Moutounios a une vision et où tu as un monde invisible. Si tu as une vision, tu as une vision qui est un monde visible, où tu as la matière. Si tu as réalisé ce que tu as, tu as un monde invisible. Si tu as un monde invisible, tu as un monde invisible. Tu as un monde invisible. Tu as un monde invisible. Matière. As un monde invisible. Tu as un monde invisible. Tu as un monde invisible. Tu vision et où tu as un monde invisible. Ne ekite na bango na molimo ne ba materialiser yango ba tout dilo moki nsuni boso mutanga moki ko donc tous o ezal invisible ezali ya monde ya mystique mystère ya nzambe yango na soko yo ziongo o réaliser yango car l'église nationale et le gouvernement national sont les deux principaux instruments que les gouvernements invisibles se servent pour guider sa nation sur le chemin du progrès matériel, le gouvernement et spirituel, l'Église. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je politique, là, je suis 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 vous en voulez pour ça la nation a mis nos pauvres sa peuple ya mboka wana ya mto barabiso kinzinga donc nzinga zali on a pour nous rassembler nzinga là ici moni est sûrement à bouter nos cordons militaires va bien avec nzinga par la biso va congo par la loi va bien avec munginga na va écolo mususu va bien avec du congo le sur la habiter sur qui n'est ni na bouina loba n'importe quoi alors bango siko nzinga musala ni nini ko sangi sabatu pe ko kamba bango. Donc, il y a un nguya wana, tu benga ka lendo na kikongo, azana lendo wana, tu mpungu, pouvoir wana, pou na ko kamba, ko sangisa batu pe ko kamba bango. Ya mwomoni, afwaza la, mutu oya zana spiritualité. Donc, il faut toujours na nsaku. Nsaku ya kisi, le grand prêtre. Donc, nsaku si kwa mtazoka, ma kambo ye senge, so azu vision a kepa ya nsaku, atalisi ya mwon, nsaku si kwa lwina ye, ah, ma kambo oyo, yolo ko osa muta politi lo kolo zion foto le kanango pa ya mpanzu. Mpanzu nde siko muta ko materialize ya mpanzu. Mpanzu siko azali siko geni superviseur o ya mayele. Donc, o to bengi la science. Nye muta ko loba siko, ah, msala oyo nga na mundi boye boye, wake na osko pa ya, nsaku, nsaka lobi uye zama ka malam pona wabung samboka. Ale, msala oyo mepo rezon, fo kene pa yi, e bato batala ka science. Bato batala ka science siko yo wa materialize siko yo makanisi wana. Yango mwona ka mboka, depuis la plus haute antiquité, chaque gouvernement invisible avait dicté sa loi divine à son peuple. C'est cette loi qu'on appelle la loi sacrée de Dieu, des génies et des grands ancêtres. L'Église nationale a
et les gouvernements nationaux sont chargés de faire respecter cette loi sacrée dans les pays nationaux. Le respect de la loi sacrée provoque la prospérité nationale, tandis que la transgression de cette loi amène des fléaux, des crises et des calamités dans les pays. On constate alors que le pays est doté de tout ce qu'il faut pour devenir prospère. Mais il ne devient toujours pas prospère. Tout peuple qui tourne le dos à son génie et son gouvernement invisible ne peut pas se développer harmonieusement et conformément au modèle spécifique voulu par Dieu pour ce peuple, pour cette nationalité. Moni a magam tozolo ba. Siko magam aboye atabino moko. Soko zotanga magam aboye. Soko za homme politique. Zotanga magam aboye. Okomema moka no na lolenga mabe pona ni. Okene tanga. Okene koye kola lolenga ya bapaya na ndenge ni. Okene ko sambi la fumuyi su na ndenge ni. Fo sambi la a Congo. A Congo ni nzambi eto. Bangone siko wa okitisila. Siko lolenga ni yoko yiko tamu sa pepo. Kangu o yoko tamu sa don peple. O yoko tamu sa zamu tu mwindu. Azana ndenge na mone la makambu. Azana mayele, oya mindele te, oya bangonde wa mwende la makamu. Po mwendele, akolubake mwana mwasi, akoyiko mata na kilongo te, po ate ya batu. Ok, biso wa Kongo, mutu mwendu, don ngunza mutu mwendu azali, aliko mata, pe ate ya batu. Ngunza, donge mama ya mutu mwendu, akoyipo ko mata, po ate ya batu. Kasi mwendele alobite. Oso mwona, soki bo kemu sika, bo yon, pona ni mwendele lingayite. Po alingayite bino po bonga. Uzomo, ala kote bino na bohumbu, ekoma ke, ngunza ya mwana mwasa kikuzi, pretre ya mwana mwasa kikuzi alate. Nzo kande, batu bakamba mboka, oba komisa mboka nguya makase za nabana basi. Nyo, ya mwana sobo, kesu kuna makambu wana mwana ke, tozonga simape Afrika kachopo na biso, eko tombo amate, soki tozola nda batu wana. Ce sont toujours les nations qui sont restées reliées harmonieusement à leur gouvernement invisible et qui ont toujours étonné le monde. Prospère et dominer le monde dans un domaine ou dans un autre. Ni na utiko limbola, omoni ba mindele ba tonga mboka na bango ba mboka na bango e mata po baza toujours ko salela makambu na bango o etali ke ba génie superviseur na bango o to bengi to lo ba ana poto Yahweh. So oké na mboka mususu ba chinois kuna omona baza na ba buda na bango so oké na ba japonais baza na nyongini uzomona siko biso tozaka ka ko stagne e sika wana ko stagne sika wana pambate to bosana lolenge esengi na biso toza okomona atana bato basala ka maboke wana bazo ko participe bazo ko sangana bazo ko kolisa ko kotisa biso na bohumbu uzomona o neti ndakisa bana na biso batalaka ba maboke awa balingaka ba yekola lingala kasi omona bango bango makambu nyonso na français makambu nyonso na kiyisu tala na bible tala na bujeta na salagi bandaki sana ezana ngutu bandaki sana biso te ok biso tozana bandaki sebele bafumuki mbango ya vita kimpa ba boita mbongo bafumu machwa ba muta mpadi uzomona ba muta sima otoko uzomona bande mbumba ba sana makambu bele otoko ozwa bandaki sa kasi bango bazwa oya biso babwaka même na maboki tozotala kaka ba koneri français de français pas mingi matondo donc yangona c'est pourquoi la renaissance de l'Afrique voilà c'est pourquoi la renaissance de l'Afrique exige que chaque nationalité puisse mettre l'ordre dans son périmètre culturel et se réconcilier avec ses génies locaux et ses grands ancêtres divinisés. L'Afrique ne connaîtra la paix que lorsqu'elle sera restructurée conformément au plan de Dieu que détiennent les génies superviseurs des nationalités africaines. Moni, tant aux hommes la pina, bon coco babiso, y'a mon année tant au haut yopenda, et c'est au biso tokozoa, penza, boania, et maïel et nambo canabiso. Voilà tout ce qui n'a cap na biso, y'a mis ça tout. Quand si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit la mission nationale. Les lions, les moutons, les chats, l'antilope
sont tous les animaux, mais tous ces animaux n'ont pas la même mission dans la nature. Un troupeau de lions n'est pas la même chose qu'un troupeau de moutons, de chèvres, de cochons. Les palmiers, les baobabs, les manguiers et la safoutier sont tous des arbres, mais chacun de ces arbres a ses spécificités propres et produit sa fleur particulière. Donc, l'unité l'unité dans la diversité. Les cerveaux, les cœurs, l'œil et l'intestin sont tous des organes du corps, mais chaque organe a sa mission spécifique dans le corps. De même, Dieu a créé plusieurs nationalités et a donné une mission particulière à chaque nationalité. Oui, chaque nation a son rayon, sa mission. Cette mission est très bien connue par les génies superviseurs nationaux qui les révèlent aux élus de sa nation, aux grands initiés de sa nationalité. Les initiés Congo connaissent le nom de leur génie superviseur et la grande mission divine de la nation Congo. Tout comme le corps de l'homme est doté de plusieurs organes différents les uns les autres. L'Afrique est une entité vivante dotée de plusieurs organes qui sont des nations organes, cerveau, cœur, œil, estomac, foie, oreille, etc. Telle la nationalité constitue l'organe du cœur de l'Afrique. Telle autre nationalité est l'œil de l'Afrique. Cette autre nation, là, est le cerveau de l'Afrique. Tandis que les autres nationalités sont l'estomac de l'Afrique, les pieds de l'Afrique, les bras de l'Afrique, les jambes de l'Afrique, l'anus de l'Afrique, etc. La santé de l'Afrique sera très bonne si chaque organe de l'Afrique est en bonne santé, en fonction, et fonctionne bien
et fonctionne bien, le Sensei Bambuta, et fonctionne bien, génère une nation organe de l'Afrique à jouer, génère une nation organe de l'Afrique à jouer son rôle, c'est freiner toute l'Afrique à progresser, viser de votre nationalité, seuls les Africains aliénés par la colonisation permettent cette grande bêtise. Nous avons tout le bas, nous avons beaucoup, nous avons tout le bas, nous avons bêtise, nous avons tout le bas, français, nous avons beaucoup, 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 nous avons donc, nous avons beaucoup, nous avons beaucoup, nous avons beaucoup, nous avons moi, je vais vous dire que vous avez fait un peu de télévision. Les intellectuels perroquets avançant beaucoup de raisons fallacieuses pour essayer de défendre cette bêtise. Moi, je vais vous défendre ma bêtise. Au moins, je vais vous dire que vous avez un indépendant, un colo, un défoli, un vendu à Télémy. Jésus, écoute ma talaga boy na Bible. Moutou boy, écoute ma talaga boy. Bouzoba, yanné wana bena dernier degré de salité à bouzoba. Ozo so bena ndaki sa ya batou moussousou. Ozo voiti na mou, télémi na mou, beno lati costume cravate. Eh, tatan zam, ndunda sa bouzeng. Ndek mse ba kongo tolba, ndunda sa bouzeng. Mais tout cela ne tient pas debout, car la langue nationale d'un peuple est irrépréhensible. Ainsi, toutes les nationalités éveillées du monde s'accrochent âprement, chacune à sa langue ancestrale et à sa langue nationale. Le Japon était en retard technologique sur l'Occident lorsque les dirigeants éclairés du Japon décidèrent de rattraper ce retard. En vrai connaisseurs, ils ne commirent pas grave erreur d'abandonner leur langue, leurs ancêtres, leur culture, leur génie locaux, leur dieu, donc leur religion ancestrale. Ah, on a télémi, nous sommes dans ma boke. Pour nous, on a dans ma boke, on a dans ma boke, donc, nous avons une esclavité, mais on a commis un esclave. Pour nous, nous avons un sang français dans la langue, nous avons un créole. 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 Ça nous fait foi. Il y a de temps en temps, dans maman Makambo, à Zongi Sarabango Nanzela, à Sepela Ming, dans maman Makambo, dans moi, nous sommes Fouankenda. Ou il y a comme on a tombé là, nous sommes Fouankenda. Dans l'ingaké Ming. Mais là, comme nous sommes à côté de Sarabana, ils ont salamé, ils ont salamé, ils ont banga. Ils ont salamé, ils ont salamé, ils ont banga. Surtout, ils ont banga, ils ont banga. Ils ont banga, ils ont banga. Ils ont banga, ils ont traité, ils ont tribalisé. Et voyez ce que le Japon est vite devenu sur le plan technique et civilisation. Le Japon se présente aujourd'hui comme le modèle d'un pays qui a réussi à marier
harmonieusement la haute technologie moderne avec sa tradition ancestrale du monde jaune. Ah, aussi, quand tu côté, à chaque nationalité, donc les pays nationaux, à chaque nationalité correspond au pays invisible, car la devise divine, eux, un même génie, une même nation, un même pays, la volonté de Dieu est que tous ceux qui sont sous la direction d'un même génie national doivent être sous la direction d'un même gouvernement sur le plan physique. Comment seront-ils si leur pays national a été divisé arbitrairement par les envahisseurs étrangers qui ont tracé les frontières et censé. Qui sépare des frères de sang que Dieu a destinés à vivre ensemble? Est-ce que le fait d'avoir tracé ces frontières a réussi à effacer en nous les sentiments de fraternité qui nous unit à nos frères de sang situés de l'autre côté de ces frontières sans fondement ni raison d'être? Les Mukongo de l'Angola est frère de sang avec les Mukongo de RDC, donc le Congo de Akat. Suivant la frontière coloniale, les qui les séparent habituellement, on veut que désormais les Mukongo du Congo puissent prendre les Mukongo de l'Angola comme un étranger, tandis que les Lokele avec qui il n'a aucun lien de sang, de langue, de culture, de génie, d'ancêtre doit désormais être considéré comme étant plus frère au Mukongo de RDC et que son frère de l'Angola, du Congo d'Enfoi, de Kabinda et du Sud du Gabon, Congo de Langue, et de son passé sérieux. Oh là là. Croire à des pareils balivernes, c'est de bercer d'un nationalisme Congo utopique, car contraire à la volonté de Dieu. La vérité est que les Lokele sont les amis des Bakongo, tandis que tous les Bakongo sont des frères de sang. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Tous les Ngwande sont des frères de sang, de langue, de culture, d'ancêtres du territoire ancestral. Les colonialistes arrivent trace d'une manière arbitraire une frontière qui désormais divise les Ngwande en deux groupes, les Ngwande de Centrafrique et les Ngwande du RDC Congo. Du Nord Ubangi, on dit aux Ngwande du Congo que désormais ton frère c'est le Mubemba du Katanga situé plus de 2000 km de Lubangi, tandis que le Ngwande de Centrafrique devient pour toi une étrangère. On a parlé à ce propos, tata n'a pas de qui va. Qu'on n'a pas de na na Lubangi kuna na Centrafrique. Qu'on n'a pas de outa kuna ou à bota maman. Outa kuna na Lubangi na Centrafrique. C'est quoi, boni, yo, ou le baké, Ngwande en gambo, Ngwande en gambo, bazar, ba étranger. Qu'on n'a pas. Est-ce que le Ngwande du Nord Ubangi accepte cela dans son cœur que son frère c'est Mubemba du Katanga, tandis que le Ngwande de Centrafrique est un étranger? Non, non. Les Babemba sont des amis de Ngwande, tandis que le Ngwande du Congo et de Centrafrique sont des frères de sang. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Qui est plus frère en Kwezi Ngunzi, qui est Lunda du Katanga, est-ce que le Nande de Kivu et ou bien le Lunda de la Zambie? Ce qui est Lunga Kongo, il y a un peu de temps à Bengi,
Mbutangunza Karlibon Mkwezi, c'est parce que Mbutangunza Karlibon a Zalaka na mwasi na ye Yaya Landu. Yaya Landu uyu a Zalaka Solobongo pina mwasi ya Mbutangunza Karlibon. Yaya Landu wa Zagi pina mbongo mwana ya Mbutangunza Landu. Mzumana. Donc, Yaya Landu uyu a Saila Rabiso pina 300 makongo. Naba frey na yemoko à la reproduction, il y a 300 makongo. La réponse est toujours la même, à savoir, entre un frère et un ami, le choix est clair. On y est. Voilà, donc, il y a l'ando, il y a la grande sœur, il y a l'ando, il y a l'ando, il y a Marie-Thérèse l'ando. Donc, il y a l'ando, la grande sœur, il y a il y a l'ando on a eu tout le bas à la moitié à la mouta et un compte à Karlibon. Voilà une grande vérité avec V majuscule. Ne pas tenir compte de cette vérité, c'est raisonner en s'appuyant sur le postulat erroné. Tenir compte de cette vérité, c'est reconnaître que les frontières coloniales sont des frontières essentielles. Nous avons donc le devoir d'effacer ces frontières sur toute l'étendue de l'Afrique. Yasolo bandeko pona lilo to suki awa ngai obino zikoti mayuma nazo kota sikoyo pona tanga ba Congo yeto na biso o itali makambu ya bongo ya solo bongo na ya fumu kimbangu. Tuzo kutala minute ndenge zali kokende yango na bozomona na zo kubwa kalisu. Donc tokotange la bino Congo de to 1493 na 1493 esika wapi ba tele biso alobi na biso le seigneur Kimbangu est un sauveur du monde comme le maître Jésus. Le Bukongo, tu continues, le Bukongo, la mystique Congo, enseigne aux adeptes de Bundudia Congo que Dieu est un esprit dans l'univers. L'esprit de Dieu habite en l'homme. Tout homme est un fils de Dieu. Conformément aux enseignements de la mystique Congo, tout homme spirituel, comme Jésus, Mahomet, Bouddha ou Kimbangu, est un palmier spirituel. Diba, donc, ils étaient en Bila. Ba, donc, ils étaient en Bila. Tandis que, tokende nanu, kubongo la, tokotana, zéra su, yami sa tout. Tandis que, tata manaka zéra su, yami bale. Tandis que, tout homme, non développé spirituellement est une amande palmiste. Lunkandi donc indica, okay, amande palmiste, donc voilà les amandes des palmiers. Lunkandi qu'on peut planter, cultiver et développer spirituellement dans Bundu dia Congo, l'union mystique Congo. Moni, neto lobi avake, mutinyo surtout aza homme spirituel. So, Tolandi malongi ya longi ya Congo. Tu remonte à Alibar na biso sika mususu. L'effet papillon. Na kimbembi la, kimpiatu. Omoni toza na triangle. Boli misi bandeko, ntsenze pa mbuta, na boli saki bigite que sinon joa na mbango. Bon. Tout ça, un triangle, awa, il y a Bundu dia Congo, par exemple, ndenge biso tout ça, il y a mais il y a Bundu dia Congo, te, il y a triangle, l'étoile Sirius, à Tanzanie, en Pongo. On a zara maka, cité, on a dessin, tout ça, comme ça, tout ça, en haut, le lingue, tout ça, en haut, le lingue, ni balai.
Donc, tu as le langue mi balé pour toi la qui s'abat. Moni moutine surtout. Moni awa. Tu as étoile. Tu as étoile. Voilà. Tu as étoile oyo na oyo. Donc, tu le vis oya likolo, et sa spiritualité, et spiritualité à ta tanzamia mpungu, oya c'est ce que les amoutou. Alors, moutouana si koyo, tanga zo kola na molimo, abanako mata. Oya ke nokutana. L'étoile oyo. Sikoyo molimo, sikoyo awa eza nzoto. Corps, âme et esprit. Sikoyo awa ezali sikoyo, biso na bakongo tobenga yango, nsaku, mpanzu, nzinga, la spiritualité. Sikoyo tango mutu akola na molimo, donc tango ozosala ba jeûne de prière, ozokola na molimo. Donc, olakisi, ozokomata, 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 ozokomata. Sikoyo tango komata, okomi awa. Tango okoma awa, osangani na étoile oyo, il y a divin, étoile divine, oyo, donc invisible. Tant qu'on s'en a une étoile invisible, oyo, au komi, na lolenge moko, ko sala makamu isi, ou te danzame, azo senga, yo nyos, au sala. Na tant qu'on a ce koyo, au komi, ce koyo, homme propre, homme, mwanda vele, au komi, l'Esprit Saint. Zo sa ilaga makamu, ou te danzame, azo tinda yo, ozo mwana, pozo sa ilan, ozo mette en pratique mbala moko. Donc, et lobi loko la, donc, na lobi ke, oza awa, ozo sala ba jeûne de prière, ou mata okoma awa. Le bâchon de prière, faut oser la mon n'engénine. Bâchon de prière, faut oser la mon logo la mon hibernation. Mon gimpiatu, on te baga le fait papillon. N'a gimpiatu. Donc, l'hibernation, soko siberne, donc, ça l'hygiène. On a hibernation, on relate, on relate, donc, ça l'hygiène. Tant qu'on s'hygiène, et ça logo la, n'a gimpiatu. N'est-ce pas? Donc, n'a ni gimpiatu, donc, mbinzo, tant qu'on s'alaga ma bé, azo, liaba nunda, azo, bébé sa bilanga. Mais tant que vous avez un cyberné, vous avez un foutu en béquille, si vous avez kola na molimo. Tant que vous avez un molimo, vous avez un mbembila, vous avez un papillon. Tant que vous avez un hibernation, vous avez un papillon. Tant que vous avez un papillon, vous avez un koboti sabanzete, ba fleur à kito, vous avez un fou, vous avez un zuku, vous avez un sang, vous avez un jardin, vous avez un kito, vous avez un sepela. Donc, vous avez un foutu, vous avez un mbembila, vous avez un salaire, vous avez un foutu, vous avez un bolamo, vous avez un donc, il y a bien l'effet papillon. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, capable de zala esprit en zambé, il y a et puis il y a un homme spirituel. Donc, tout le temps, il y a un peu de temps, André Nabiso, il y a mis ça. Le Dalai Lama est l'une des grandes personnalités spirituelles du monde. Il est le roi et prêtre du Tibet. Il est le grand maître du bouddhisme tibétain. Il n'est pas ici de la famille biologique du Bouddha. Tous les grands évangélistes chrétiens qui nous ont amené l'évangile du Christ ne sont pas de la famille biologique du Jésus-Christ. Car Mpeve ya longo kayena muki ya ya ko. Ainsi, il est archi faux de prétendre que tous les descendants de la famille biologique de Fumukimbangu sont de Dieu et que celui qui n'est pas issu de cette famille biologique n'a pas le droit de parler de Seigneur Kimbangu. Dans le monde spirituel, nous disons que les œuvres sociales, l'église Kimbangiste, Pévéal Wongo Kayena Mukiya Yako, et l'inkolo bagara ke, soki moana, soki tata, azali prêtre, et le kisengelite ke moana pas à la prêtre. Donc, ils ont un bon côté, Kimpévéal Yagana Moutuna Moutu. Yagana Moutuna Moutu. Une église qui abrutit les gens est une honte pour Fumukimbangu. Ainsi, le monde spirituel m'a chargé d'annoncer la vérité au monde et tant pis pour celui que cette vérité va blesser. L'église Kimbanguiste a inventé beaucoup de faussetés, beaucoup de fausses prophéties qu'on ne trouve pas dans le monde spirituel, dans les archives de la nature.
kapukia kapukia nana nzira na biso ya moto libwa bya mwambe. Noël, c'est fête au mois de décembre. Fêter le Noël au mois de mai, c'est une fausseté kimbanguiste. Nzila na biso, il y a le bois, nzila il y a voix. Mobutu n'a jamais connu Papa Diangenda avant 1959. Ainsi, tout ce que l'église kimbanguiste raconte sur Mobutu, qui a été béni par Fumu Kimbangu pour devenir président, est une fausseté, est une fausse prophétie kimbanguiste. Tout le monde sait que les Zaïrois prenaient Mobutu pour un diable qui a béni ce diable pour devenir président de la République. C'est Fumu Kimbangu. L'église kimbanguiste doit cesser de salir Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu est le libérateur spirituel de ce pays qu'on doit arracher du joug de la domination étrangère et lui donner l'indépendance, où seuls les fils du Congo doivent diriger le pays. Ainsi, une prophétie où on remet le pays à un étranger pour le diriger est une fausse prophétie kimbanguiste. Ce sont les pères Lorenzo Daluca et les pères Bernardo da Gallo qui ont tué Yaya Vita Kimpa 1900 à 1706 pour essayer de la salir. Ils lui ont collé l'affaire de Geneviève de Brabant. Geneviève de Brabant qui a eu un enfant dans la forêt. Yaya Vita Kimpa n'a jamais mis au monde un enfant. Ainsi, une prophétie qui dit que Yaya Vita Kimpa a eu un enfant dont... Ainsi, une prophétie qui dit que Yaya Vita Kimpa a eu un enfant au monde dont l'incarnation est Fumu Kimbangu est une fausse prophétie. Nana makumi yo ne mwanda semi. Ngai na zo tanga kaka seko tanga solo oye lo bami ara to koti na zera msa zomi na mine. Fumu Kimbangu ne s'est jamais converti à catholicisme. Tant pis pour ce professeur belge de Louvagnon qui a dit des mensonges. Zomi na mitano kumiye tano. Dans tout l'univers il y a un seul sauveur universel, qui est le Seigneur Mwanda Velela, l'Esprit Saint, entre parenthèses. C'est le Seigneur Mwanda Velela, le Père en l'homme, qui prophétise, qui guérit, qui ressuscite, qui fait des miracles, ainsi dit le Maître Jésus. Les œuvres miraculeuses que j'ai faites, ce n'est pas moi, Jésus qui le fait, mais le Père, le Seigneur Mwanda Velela, qui est en moi, qui le fait. Quand le Seigneur Mwanda Velela descend sur un homme élu de Dieu, il descend sous la forme d'une flamme, du feu, d'une étoile filante, d'une colombe et hein, d'un aigle. Moni, nenge, ma pisse biso bandakisa, le batou, oyo, nenge, esprit saint kite la kamoutou. Fumu Kimbangu est devenu un sauveur du monde à partir du moment où le Seigneur Mwanda Velela l'a adombré et descendu en lui et s'est mis à produire des miracles en lui. Moni, tant ou gaka. Mwanda Velela na kitila ki Fumu Kimbangu. Tango ya ngono Fumu Kimbangu, abande musana. Toko tanga kongolete zolanda, puto yeba. Quand le Seigneur Mwanda Velela quitte un homme anabendi, nazoko benda mingi, attention, nazoko benga lukeba ki bende lutoma, tanga lutoma landa ki bende bampangi, kongolete di adidi, de
1493. Funda ye nkamaya louvoa ye tatu. Bolanda awa, mukapu kitine ke toki ansuka ika mukumole. Quand le Seigneur Wanda Velela quitte un homme élu, celui-ci est attristé et risque de crier en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ingeta, ibobo et ibobo. Ah, tout ça, la lison, il y a seulement un peu, na makambo et zoli kana bondou de Congo. Yangona, na talisi ba imboka, ba ma kesa ba lounungu, ba yoka, ma lamu makambo et po, lounge kon makambo nesa koma, et salemaka. O nesa koma, o nesa loba, lounge kon makambo nesa loba, na oye koma, et salemaka. Yangona, tini ngal sou, tkana badira nan goutan ngal sou. Na kapu keto, kia makumole, tini kia makumole. Quand le Seigneur Mwanda Velela quitte un homme élu, celui-ci est attristé et risque de crier en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ingeta, ibobo et ibobo. Yona, boutaki binda mpanzu, na tolumeni pena awe siko yo mingi, po yo yebi makambe bele, mon Dieu m'as-tu abandonné Bakulu lungiambu di, buta kibinda, yo penda kibinda mpanzo, yebi makambonga na zotanga. Po, tangu seko ki, bolo bakabu solo, bolo bakabu solo. Matono mingi mpangi siko tozo kota, na kongodete na biso mususu, ya wana alubagi awake, tangu mutazo kola, zo sala bajen de preo, sala bajen de zo kola. Meso kipo tikino bajen wana, okoti nyo na mfuta, ubungi na yo, Mwanda vele lepe arobima na yekati na yo, okomi na yo ra mtu ya mukili loko na biso nyonso. Matono wa mingi bapangi, siko yo, tozo tanga kongodete mususu awa, tozo tanga kongodete mususu awa, bo zilangana lukango po na zo, bimisangona wa shivu nangeza na telefon, ya solo wama peneza li kongodete 858, kongodete 858. Ngiantika kisa lukiandi kunkamba, le démarrage de sa mission en kamba. Donc, on a tous les bongo qui vous la kia. Fumu kimbamu. Moulumbu kia, le 18 mars 1921. Donc, moulumbu kia, kumi yenana, ngonda ya tatu, mumvu wa funda di mosi nkamanana, ye makumolo ye mosi. Buka sungama, Buka sungama siuka, musiuka, fumukimbangu wa vova kwa bisinkamba vo. Mfuku, mufuku diadi mbasi ya tata Nzambia mpungu ya yizi kumbumi na ye kunsonga kisalu kia mfidisila tata Nzambia mpungu va vantoto. Mbasi ya yi ya nsongele mpenkembo weti vingi la bana bakongo Diantotela kuntuala. Kadi, kana kuzingila kia kukia. Awa lunga kongo, akoma kiongo na kikongo, pe akoma kiongo na franse, pona makambu. Oyo fungimba mwa yela, eza pona bayindo nyosa mwukili mwabimba. Le 18 mars 1921, an se reveyan, donc pona batu wazo yoke la kikongo, ona tangi wana kikongo, yangos kona otanga na franse. Pona lunga konga bongo la kiongo. Le 18 mars 1921, en se réveillant le matin, Fumukimbangu dit aux habitants de Kamba ceci. Ce soir, un ange du grand Dieu Nzambia Mpungu est venu me visiter. Il m'a indiqué ma mission divine pour laquelle Dieu, le Père Tout-Puissant, m'a envoyé sur cette terre. Donc, voilà, dans ce barou-là, c'est mon soussou pour tout bongaté. Là, on a souki, na molongo et le bosso, na zo luka molongo et mi balé. Yeyo. Tout mon yé. Cet ange m'a aussi indiqué la gloire future qui attend les enfants de Bakongo dans Totela à l'avenir. Même si la nuit dure, mais le soleil finit
par se lever, dit la sagesse Congo. Kanoku zing la kia kukia. Zila mi balé. Kapu, nzila yanzole. Landi la diodion fumu kimbangu. Watambu dila, mukwenda sambi dila, mbevo, yakala, yekimbevo, kia manimba. Munkumbu atata nzambia mpungu, bonso bu, basu. Kasongelwa dio mu ndozi. Ngolo za mfumu mwanda velela za nkulumuka muyandi mbakusulu zandi za minsamu miamio mia kintsuni ye mia kimpeve za soba ye yenge kia yala ntimandi idina fumu kimbangu wa yantika longa misamu wa mbote wa kintino kia tata nzambia mpungu kukongo liantotela. Na yangwala penda, nani mwala lingala po na kutanga na franse, na kulanda bongo, solo bongo penda, fumu kimbangu, andimaki penda musala oba, pesa kie pe, akinayi kusambi la puna batu ya maladi, kimbevu na yinayo, ya bokono oba zalaki na yango, bokono wane zalaki manimba dongi ya pungi, donc batu bazaki na maladi ya pungi, bazaki kusambi la bongo penda, na ndenge, ba lakisa kie penda na ba ndoto na yewana. Makasi ya tata nzambe, ya mwanda vele la, ya mulimu mosantu, kitaki penda kati na ye, na ndenge, ya mbaku suluza, nidon na emone li na ye, na makamu na ye nyonso tu, o ya musuni, pe ya mulimu. Ebongwa na ki, ya mwana, tango ebongwa na ki, yenge, kia yala muntimandi. Kimia penza itonda ki, kati na ye, kati ya mutema na ye. Na yangwana fumu kimbangu abandaki kotea makambu ya malamu ya kibokonzi ya tatanzambe oezali ya solo bongo penza kokita na Kongo ya ntotela. Nzela mibale, tini ya franse. Après cela, fumu kimbangu accepta d'aller prier pour un malade qui souffrait des maladies du sommeil et qui l'avait vu en songe. La puissance du Seigneur Mwanda Velela est descendue en lui, sa compréhension des affaires matérielles et spirituelles du monde change en divin, très limpide. Il était rempli d'une paix du cœur indescriptible. Fumu Kimbangu s'est mis à enseigner l'évangile du royaume de Dieu sur terre, qui est le royaume de Congo d'Antotela. Car Dieu s'appelle Congo Kalunga à Congo, ainsi donc, qui dit royaume du Congo, dit royaume de Dieu sur la terre. Fumu Kimbangu wa longa, wa bikula, nsamu, wa kimpua anza kia Kongo, kia ntimansi, kia kachopa ye sukunu, akinkole, kia mputuki mu nza ya mvimba, ya ndi wa nyekisa zimbevo ye wa futumuna mafwa mu nkumbu atata nzambia mpungu. Kumbu kia fumu kimbangu kia mwanga na mukongo dia kati bantu ba bingi ba yantika kuiza ye kwenda kamba mukwenda mona mumau meso yewila mumau matu.
Ndinga mfumu kimbangu, mwana muntu, mwana nekongo, mwana nzambi, kuswa kia mfumu, mwanda velela kukongo. Nabalula, nameka kubalula. Fumu kimbangu, abandiko teya, abandiko bikula, likambu ya kimpuanza kia kongo. Kimpuanza donke, kipuanza donke na ibiti na lingala. Lobiko, donc, tout le monde lobiko, mais ils allient en français, tout le monde, on entend en français, quand ils m'ont regardé, on entend qui impose à Congo, donc, la liberté, il y a Congo, qui est intimement si, il y a Afrique centrale, il y a Kachopa, il y a Afrique Mobimba, il y a Nsukunu, donc, il y a Kinkole, qui a Mputuki. Na suka esclavagisme, boumbu, ya mindele, na mokili mobimba. Ya ndi wanyaki sa, ya solo bongo bina kubiki sa, bo kono nyoso, e futu muna mafua kula musa batu baiba kufa, na kombo ya tatanzambi ya mpungu. Na kombo ya fumukimbangu, e panzana kipenza na kongo ya kati mobimba. Batu ya ndenge na ndenge, ba koma ki solo bongo penda kokende kwiza koyape kokende kokende kozonga na nkamba pona ko kozwa lobiko pona kozwa kozwa nzela ya lobiko pe pona ko mona na miso na bango moko ya solo penda pe pona koyoka na matoi na bango moko mungongo ya fumu kimbangu Mwana ya mutu, mwana ya nekongo, mwana nzambi, kuswa kia mfumu, mwanda velila. Instrument ya tatanzambi, uwa ya tata, ya esprit saint ya tatanzambi, na kongo. Le Seigneur kimbangu semi, a parle, a prophétise, wana skoyo, wana yemogolo nga konga, balolo nga franse, pa akomango na franse na kikongo, nga nazo balo na lingala lisusu. Le Seigneur Kimbangu Semi a parlé, a prophétisé l'indépendance du Congo, des Timansi, de l'Afrique et de la fin de la domination européenne du monde entier. Il s'est mis à guérir les malades, les ressusciter et à ressusciter les morts. La réputation de Fumu Kimbangu s'est rapidement répandue dans toute l'étendue du Congo central. Des foules immenses allaient et revenaient d'un Nkamba pour aller se faire guérir, pour aller recevoir l'enseignement politico-religieux de Fumu Kimbangu, pour aller voir de leurs propres yeux et entendre leurs propres oreilles la voix de Fumu Kimbangu. Les fils de l'homme, les fils de Nekongo, les fils de Dieu, les oints du Seigneur, Mwanda Velela. Bantu babingi na babingi bayenda baka mbevo zau zakala mu nzo ya lusadusu, donc lupitalu, nzo ya lusadusu. Zampelo ye bamisioni ye natazo Nkamba kwa mfumu kimbangu. Wanyaki sa vana vau kondwa kwa futa kondwa kwa futa kana meya. Bisadi bya bingi basadila munzo zamba mindele mu mainzo mau ye mu ma masamaka mankaka mamindele mayenda wa malongi mafumu kimbangu kunkamba babaka nzengelo mulembo avutukisa mubisalu biobio bia kingamba kwa mindele. Donc,
bantu ba bingi na ba bingi batu ya lenge batu ya mingi ya lulenge na lulenge ba kendaki kozwa lubiko epa na bazalaki kozwa lubiko na bandaku ya lubiko donc na hôpital ba ya mindele donc ya bampelo ba chrétien ba prêtre na ba missioni donc ba missioni ye nata donc ba protestant ngana loba ba kenai kozwa bango pe komema bango na nkamba pa ya fumugimbangu abikisa bango ye bafuta ata lome ya moko te ngai pe koko na ngai asalaka musala na kwenda kozwa batu ya maladi na bamboka partout komemaka bango na nkamba koko na ngai basalaka musala na yango pe bakangaka ye bisadi bya bingi batu ya bata misala ya ndenge na ndenge bazali kosala epai mindele na bandaku na bango pe na bakompani na bango bazalaki bangamba ya mindele bango nyonso tu bakendaki koyoka malongi ya fumugimbangu pe bazwaka mokano ete bakozonga lisusu na misala na bango te ya kingamba oyo bazali kosala epai mindele. Beaucoup de personnes sont allées retirer leurs malades qui étaient dans les hôpitaux des missionnaires, des catholiques, des protestants et les ont amenés en Kamba où Fumukimbangu les a guéris instantanément et gratuitement. Beaucoup de personnes qui travaillent comme des boys dans les maisons de Mindele, comme ouvriers dans les plantations agricoles et dans les entreprises de Mindele sont allés écouter les enseignements politico-religieux de Fumukimbangu et ont fini par décider de quitter définitivement leur poste d'emploi de l'esclavage de Mindele. Mu bilumbu bikwa kaka vata dia kamba dia kituka di keke mu tambula yedikila ndonga bantu ba bingi na ba bingi ba bat ba tatamana lwaka kunkamba lumbu kalumbu kitembo kya siku musu kya unga yesukula kongo dia kati kundambu kandambu zengele dia bwa nti ya nikuka tombe kya mputuki kya papumuka ye zakama muwonga. Donc na mikolo mikekaka bamboka nyonso tu mboka ya kamba ekomaki ya solo bongo penda ya esika wapi batu ya ndenge na ndenge batondaki na mikolo kolesa bango batu wana nyonso tu ya ndenge na ndenge bayaki kuna bazalaki pe kotika koya te batondaki solo bongo penda na mikolo kuna na kamba epuis kitembo kya nsiku musu donc moto ya kopanza sango wana penda etelemaki mingi na bamboka nyonso tu esokolaki kongo lya kati nyonso bavillage nyonso bamboka nyonso tu batu nyonso ya ndambu na ndambu balongwaki solo bongo penda bakendaki mboka wana nyonso ekweyaki bakomaki penda solo bongo kokenda na nkamba bamindele bazwa penda makambo bakituka bamona penda makambo na bango bakomaki kobanga batondaki na kobanga penza. En quelques jours seulement le village nkamba était devenu trop petit pour accueillir et nourrir des milliers de personnes qui ne cessent d'arriver en Kamba chaque jour. Un grand vent de réveil souffla sur le Congo central partout. C'était des tumultes. Tia Nikuka, les ténèbres du colonialisme européen paniquèrent, se mirent à trembler et à douter de leur capacité dominatrice de l'Afrique. C'est le bon moment. Moni, ici, quand il y a un Congo, ce qui est là, on a un Congo, ici, quand il y a un Talisibiso, mon salaire est fou, mon nom, 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 mon
nakobanga musala nini oyo fumugimbangu ayaki na yango. Na yangona wambuta pona lilo, to suki awa, ngayi wabino, zikoti mayuma, tembo ya mwanda, naso tata manakotela bino nzembo oyo, afeli kadiampa inatungwa. Sala kwane muyenge ya wakulu, lumu gina kuiza tunatata manatanga kanda ditodia la Renaissance Africaine. La Renaissance Africaine. Matondo. Yo yo! Yeah.